J'arrive. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi déjà? Et où aller? J'arrive. Bien sûr, j'arrive. Jamais rien fait d'autre qu'arriver. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Avec des femmes, des messieurs en gibus et sur l'impérial cœur dans les étoiles. Y'a fait mon grand-père, y'a fait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Ah, c'est important qu'on brûle le rêve. Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Dansent les hommes, les femmes en cri, en sur les pavés dansent les omnibus avec des femmes, des messieurs en qui fusaient. Il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Ah, c'est peut-être autant Bruxelles rêve, c'est peut-être autant du cinéma muet, c'est peut-être autant Bruxelles chantait, c'est peut-être autant Bruxelles bruxelait sous les lampions de la place Sainte-Justine. Dansaient les hommes, les femmes en gris-orphelines, sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en kiffusé. Mon père, ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Ah, c'était autant où Bruxelles rêvait, c'était autant du cinéma muet, c'était autant où Bruxelles chantait, c'était autant où Bruxelles. Eh bien, voici mon écritoire, c'est là que j'écris mes chansons. Victor Hugo aussi, d'ailleurs, écrivait debout. Pas des chansons, mais la poésie. Je vous signale ça uniquement pour vous dire qu'il y a des aînés illustres. Quand je vous dis que j'écris mes chansons là, ce n'est pas vrai. En réalité, une chanson, c'est toute une aventure, une longue aventure. Un soir, on est très fatigué, on a une idée. Une idée précise, mais pas complète. Alors cette idée se promène en vous pendant des semaines, des mois, 4, 5 ou 6 mois, et elle mûrit. Et un beau jour, quand c'est bien mûr, comme un fruit, pof, on prend l'idée, on prend un stylo, une feuille de papier, on écrit une chanson là. Si vous voulez, je peux vous montrer ce que donne une chanson en cours de fabrication. Celle-ci, elle a 3 ou 4 mois, elle n'est pas terminée du tout. Ça s'appelle Les singes. Et c'est un peu méchant d'ailleurs. Avant eux, il y avait la paix sur terre. Quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, j'ai peur des soldats, préférant la raison à la raison d'État. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe au napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes de mon quartier. Quand on invente quelque chose, on est une aspirine.
Je continue à croire ça, je croirai ça encore très longtemps, je crois. On est une aspirine, et si tu peux être une aspirine pour les autres, et pendant le temps d'une chanson, le temps d'un film, les gens ne pensent pas à leur truc qui les ronge à longueur de vie, mais ils pensent à autre chose, c'est donc une aspirine. Eh bien, c'est bien. Écrire des chansons, les chanter, être comédien, faire de la mise en scène au cinéma, tout ça sont des travaux d'aspirine, mais qui alors ont une forme, sur le plan extérieur, comme projection extérieure, il y a une forme d'exhibitionnisme. Eh bien, il faut l'assumer. Il faut dire « je veux bien ». Bon, j'ai choisi d'être exhibitionniste. Avec des intentions, si tu veux, morales ou philosophiques, peu importe. Mais tu dois assumer cette fonction-là à l'état primaire, si tu veux. Tu es simplement, il arrive un moment où toutes tes intentions sont gommées par ton activité exhibitionniste. Ils aiment pas. Mais c'est bien fait pour ma gueule. J'avais qu'à pas le faire. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait voir nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souple, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... Moi, j'ai su que j'étais fils de bourgeois. Je ne l'ai su que vers 21 ou 22 ans. On ne sait pas avant. Quand un bébé naît et qu'il est chinois, il ne sait pas qu'il est chinois. Il ne sait qu'il est chinois que s'il vit à Bruxelles et qu'il rencontre toujours des gens qui lui disent « Bonjour le chinois ». Bien sûr. Je n'ai su que j'étais flamand, finalement qu'en arrivant en France et en m'apercevant que je n'étais pas français. C'est évident. Mon père était tout à fait flamand. Il était de Zandvoort à côté de Menin. Tegenmenen. Et finalement, de la manière dont j'ai été élevé, tout ça est plus flamand que français. C'est une terre que je connais bien, que je comprends assez bien finalement, avec ses folies, avec ses excès. Et je suis un peu fou sans doute et un peu excessif. Je m'y retrouve, si vous voulez. Avec la mer du Nord, j'ai venu devant les vagues et des vagues de dunes.
pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent d'ouest, écoutez-le tenir le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage. Et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent de l'est, écoutez-le vouloir le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si qui me fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien. J'écoute toutes mes chansons. Il y en a évidemment où ça ne transparaît pas parce qu'il n'y a pas le mot Belgique ou machin, mais toutes mes chansons sont en belge. Toutes sont en belge. Il y a une chose très étonnante, c'est que partout où je vais dans le monde, quoi, l'Union soviétique ou les États-Unis, enfin partout, je ne suis pas Brel le chanteur français, je suis le chanteur flamand. C'est extraordinaire. J'aime les Belges. D'abord, je suis belge. Je suis belge et je pense finalement, depuis 20 ans que j'écris des choses qui ne sont absolument pas congestionnantes d'intérêt mais qui existent, depuis 20 ans, je parle, en tout cas, si pas de la Belgique, je parle des Belges, ou de la Flandre, j'en parle. Il y a une dame il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Mais enfin, monsieur Brel, plus personne ne parle avec la chambre chez moi, pourquoi vous vous moquez comme ça tout le temps de nous ?» Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et moi, ça me paraît charmant, cet accent-là. Seulement quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas. Mais je trouve, moi, que c'est un truc charmant. Je vous ai apporté de bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Je les ai apportées de bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi, je vous ramènerai. Quel beau dimanche. Allez, pour la saison, j'ai apporté de bonbons. Si vous saviez comme je suis fier
de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent de travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. C'est impossible. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez mille fois raison. Je vous ai emporté de bobo. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que ça est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine, j'essaie d'apporter des bonbons, parce que les fleurs c'est impérissable, puis les bonbons c'est tellement bon, mais que les fleurs sont plus présentables. Quand je me couchais et que j'étais petit, je voulais être Vasco de Gama, enfin une sorte de Vasco de Gama. Tu comprends? Et j'ai bousillé beaucoup de choses pour n'être que ça. Je ne soigne que mes rêves. Je n'ai jamais réussi à soigner très sérieusement mes légumes et mes intérêts. Mmh. Alors mes rêves, je m'en occupe. Je crois qu'en fait, un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On ne peut pas... une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas, mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure. Il sait. Il ne sait pas bien, mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Avant, je me souviens bien que tout ce qui m'intéressait, c'était des choses un peu folles, un peu extérieures. Je faisais des tas de choses. Je faisais du vélo de course, par exemple. Je me souviens, je faisais du vélo de course tout seul jusqu'à épuisement. Je m'étais établi une espèce de circuit un peu en dehors de Bruxelles. Et je roulais seul contre la montre pour voir jusqu'où je pouvais aller. Je faisais des tas de choses dans ce goût-là. Les limites, ça m'intéressait beaucoup. Mais arrivé un moment, j'ai plus pu. Enfin, vers 22-23 ans, l'animal se calme. Et il a fallu que je m'invente un autre jeu. Il a fallu que je tourne un vélo tout seul quelque part, mais autrement. Et j'ai choisi la chanson alors d'une manière assez pépère, enfin, si vous voulez. Ça n'a pas été démentiel, quoi. Ce qui était démentiel, c'est de débarquer à Paris. C'est toujours démentiel, ça. Quand on ne sait rien faire, qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne sait absolument rien, ça, c'est démentiel. Mais le choix de la chanson s'est fait parce que, d'une part, j'aime bien la musique, et puis j'aimais bien raconter des histoires. Moi, j'espérais pouvoir en bouffer, enfin, c'est-à-dire écrire ce que je voulais et en vivre, enfin, sans mendicité, quoi. Puis je savais pas que ça allait tourner comme ça. Moi, quand j'ai débuté, je savais que j'étais une vedette. C'est les autres qui ne le savaient pas. Seulement, lorsque tu as débuté, déjà, je crois que c'était pas ce que tu cherchais. Tu cherchais autre chose. Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai jamais cherché à... C'est... Et puis c'est très facile d'être une vedette. Oui. C'est vraiment très facile, il suffit de se donner du mal, quoi. Oui. Non, ce qui est, où ce machin a été passionnant pour moi et est toujours passionnant, c'est que c'est une espèce de bataille incroyable, enfin. C'est un merveilleux champ de bataille. Au premier temps de la valse, toute seule,
tu souris déjà au premier temps de la valse. Je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, oh, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans. Une valse à cent ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans, pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps, frossol aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, oh, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans. Une valse à cent ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans, pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Frossol aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'enlever les tours du côté de l'amour. Quand c'est charmant, une valse à quatre temps, ah, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de passer des vingt ans pour que tu aies vingt ans, pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, parce que nous avons pas le temps de bâtir un roman. La 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 la. Toi, j'ai chanté 17 ou 18 ans, j'étais vomir avant chaque tour de chant, de peur. Et quand j'avais trois tours de chant, quand j'avais trois tours de chant par jour, j'allais vomir trois fois par jour, de peur. Et en avion, parfois, j'ai très peur. Et je fais du voilier, parfois, j'ai très peur. Et quand je joue la comédie pour un film, j'ai peur. Et là, je vais faire un film, en plus, je l'ai écrit. La mise en scène est jouée. Non, j'ai très peur, mais j'avoue que j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'un type n'a pas peur. C'est un fou. Il faut l'enfermer. Vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion. Mais calculer, pas bêtement, hein, pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. À quel moment tu es bien? Quand je dis bien, tu te sens bien dans ta peau. Est-ce qu'il y a quelques minutes dans quand cette vie? Quand je me couche. Quand je me couche, c'est à condition que... que je ne puisse vraiment plus rien faire d'autre que me coucher. Quand je tombe, ouais. C'est la planche bien rabotée, tu vois. Les jours, c'est pas tous les jours, hein. Il y a des jours où je me dis, cette planche, j'ai voulu la raboter, je l'ai rabotée et je l'ai bien rabotée. Alors là, il y a deux minutes, trois minutes de... pas de bonheur, tu sais bien, enfin... tu te supportes.
rosa, rosa, rosam. Rosé, rosé, rosa. Rosé, rosé, rosas. Rosarum, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosa. Rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, boutonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, deux par seul sous les arcades, cerclés de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni ou pour un baiser trop petit dans la clairière d'un jeudi à Rosy, cousine Rosa. Zam, 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 zé. C'est le tango du temps des zéros. J'en avais tant, des minces, des gros, que j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses. Quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, sarum, rosis, rosis. Il y a 14 ans que je chante, il y a 14 ans que j'ai l'impression d'être en Sorbonne. Vous voyez, je continue mes études. Je rencontre un nombre incroyable de gens. Et ils sont tous passionnants. Il suffit de les aimer un peu pour découvrir qu'ils sont passionnants. Et ils sont vraiment passionnants. Alors j'apprends des tas de choses. Et en plus, ils me parlent plus qu'aux autres, puisque je suis un bohémien. Moi, je m'en vais le lendemain. Ils osent me dire des choses qu'ils n'osent pas dire à un chef de bureau ou à une épouse. Quand on me demande est-ce que vous aimez les hommes, je dis oui, je les aime, mais je suis sûr que je les aime beaucoup. Vraiment. Mais si on me demande une bonne raison valable, j'en ai évidemment pas. J'en ai de quoi tenir toute une nuit derrière un whisky. À vous dire que si et que ça c'est pas permis et que ça c'est honteux, je vais m'indigner, mais je n'ai pas une bonne raison philosophique. La fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Elles vieillissent à petits pas, de petits chiens en petits chats. Elles vieillissent d'autant plus vite qu'elles confondent l'amour et l'eau bénite, comme toutes les bigorres. Ah, si j'étais diable en les voyant, parfois je crois que je me ferais châtrer. Si j'étais Dieu en les voyant prier, je crois que je perdrais la foi par les bigorres. Elles processionnent à petits pas, de bénitier en bénitier, les bigorres. Patati, patata, mes oreilles commencent à siffler, les bigorres. Vêtues de noir, comme monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures, elles sont bigantes, les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures, de bigorres. Après le turbin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de
c'est au fond de leur maison qu'elles se préservent des garçons, les bigotes, qui préfèrent se ratatiner, vêpres en vêpres, de messe en messe, toutes fières d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre leurs fesses, des bigotes. Elles meurent à petits feux, en petits tas, les bigotes, qui cimetièrent à petits pas, au petit jour, d'un petit froid, de bigotes. Dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elles, une auréole et deux boudelles. Et qu'elle s'envole à petits pas de bigote. J'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez, tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Dès que vous dites exactement ce que vous pensez, les gens croient que c'est pour attaquer. Or, c'est pas vrai. C'est parce qu'on vous pose des questions et à ce moment-là, il y a un problème d'honnêteté qui se pose. Ou bien on dit n'importe quoi pour faire plaisir à tout le monde et on est un lâche quand même. Ou bien on dit exactement ce qu'on pense et on se fait des ennemis. J'aime mieux avoir des ennemis qu'être lâche. J'aime bien des mots un peu périmés, des mots un peu idiots. J'aime bien la dignité. J'aime bien l'honnêteté. Je crois que le monde n'est vraiment pas à vendre. Je crois vraiment ça. Et je crois qu'il y a plein de gens bien, mais auxquels on ne pose jamais de questions, n'est-ce pas? Alors on ne les sait pas. On ne sait que les crimes. On ne sait jamais les... On ne sait jamais la tendresse. Le monde est fait de telle façon que les histoires d'amour, ça se passe dans des petites chambres sordides, alors que c'est justement ça qui devrait se passer dans les palais et en première page des journaux. L'amour, on doit le cacher. On n'a plus le droit d'être amoureux, bien, enfin, parce que les gens interprètent mal. Parce que les gens s'ennuient, je crois. Je ne sais pas. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux, même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps, est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perdent le dos aux paupières, et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés, le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit, du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié
toute une heure la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Je suis pas misogyne du tout, on raconte ça, je suis parfaitement, je passe mon temps à défendre les femmes. J'aimerais bien que les femmes arrivent enfin à cette égalité. On leur a donné les armes pour se battre, enfin, c'est un vilain mot, enfin, pour vivre à égalité, et elles ne les emploient pas. Elles continuent à vivre avec des conceptions du 19e siècle. Enfin, elles sont encore... Elles étaient à vendre. Maintenant, elles ne sont plus à vendre, les femmes, c'est vrai. Mais elles se louent un petit peu. Puis il y a les mamans, n'est-ce pas, qui dirigent la carrière de leur fille, n'est-ce pas, mais vraiment, entre épouser une fille et vendre une vache, j'ai jamais vu la différence. C'est le contraire de l'amour, tout ça, n'est-ce pas. Moi, je suis pour l'amour, je suis pour la tendresse. Jacques Brel est très con, hein. Faut bien le dire. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure, chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs, quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours, quand on n'a que
qu'un homme est un nomade. Il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme, du mâle. Je crois vraiment ça. Et je crois que par essence, la femme l'arrête. Alors l'homme s'arrête près d'une femme et puis la femme a envie qu'on lui ponde un œuf. Toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un œuf et je comprends ça. Et puis on pond l'œuf. Alors l'homme, il est bien bon. Il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante. Je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de cet œuf. Et alors il faut de la paille en dessous. Alors on met de la paille. L'homme, il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'œuf. Et puis un jour, il pleut. Alors là, il va chercher de la paille et il fait un toit. Et puis après, il y a des courants d'air. Alors il bâtit des murs. Et puis après, il reste là. Et l'homme est un nomade. Et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans. Quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. C'est pas méchant, c'est un ennemi. C'est un merveilleux ennemi. Si tous mes ennemis étaient nus, qu'est-ce que je les aimerais? Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, je la porte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement chère. Elle est tellement, tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, j'attends elle là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de Gênes, Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement, tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, je me porterai toute la semaine, Madeleine l'aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Demain, j'attendrai Madeleine, ouais, on ira au cinéma, je lui dirai que je t'aime, Madeleine, elle aimera ça. Je ne sais pas bien parler des femmes. Je n'ai jamais très bien compris. J'ai parfaitement conscience d'être passé à côté de quelque chose. Là. J'en suis pas fier du tout. J'ai conscience d'être passé à côté de quelque chose toute ma vie. Ou par paresse, ce qui est fort possible. Ou par pudeur, ce qui est possible aussi. Et je ne suis fier, je ne suis satisfait d'aucune de ces deux solutions. Mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est un travail, hein, les femmes. C'est un travail. Ou alors on est le gars qui plonge sur la femelle, enfin, ça ne m'amuse pas du tout. Je crois que j'aime trop l'amour que pour beaucoup aimer les femmes, en fait. C'est à quoi un mec va dire que je suis pédé, ce qui est faux. Je ne suis pas pédé du tout. Mais je crois que j'aime trop l'amour. Les femmes sont toujours en dessous de l'amour. De l'amour dont on rêve. Et comme je suis assez romantique, enfin, ou sentimental, je ne m'en cache pas du tout, la femme est un peu à côté de l'amour. À côté du rêve que j'ai. Mais j'ai pas bien compris les femmes. Ne me quitte pas. Il faut oublier
tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. J'ai souvent eu des coups, des creux de vague, hein, très souvent. D'ailleurs, toute ma vie, j'ai vécu en Nancy, je vis en Nancy. C'est ça que tu veux arrêter maintenant? Non, c'est pas ça que je veux arrêter. Qu'est-ce que tu veux arrêter? Je veux pouvoir aller à 400 km quand je veux et y rester le temps que je veux. Je suis un nomade, moi, je m'arrêterai jamais de bouger, il faut que je bouge. Ça va continuer dans le côté écriture, enfin. Oui. Je veux absolument me débarrasser de mon corps quand j'écris. C'est pas facile à expliquer, ça. Mais tu vois, quand tu écris soleil, et que tu l'écris mobile et que c'est juste pour être lu, tu écris soleil d'une certaine façon. Quand tu écris soleil et que ce soleil, tu dois le retransposer après sur scène, tu n'écris pas soleil, tu écris soleil. Oui. C'est du trucage, déjà. Et c'est pas du trucage, mais c'est tout de même le début de la malhonnêteté. De la malhonnêteté... d'une certaine malhonnêteté. Et alors, je ne veux pas. Tu vois, si je continue, je vais être obligé de tricher. Je vais être obligé de raconter encore une fois des chansons que j'ai écrites il y a 10 ans, de les reprendre autrement. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Je vais vivre tranquillement, d'une manière établie, même si je ne chante qu'un petit peu. Ça ne m'amuse pas. Tout ce qui n'est pas une bataille, en réalité, ne m'excite pas beaucoup. J'aime bien avoir peur, j'aime bien apprendre. Et je vais reprendre des coups sur la gueule en plus, c'est certain. Ça va être humiliant, j'en ai besoin. Enfin, j'aime mieux me tromper que me taire.
La prudence me fait suer. Ah, la prudence, c'est haïssable, ça. Je vais la précaution. Moi, je préfère mourir, enfin, m'arrêter un jour quelque part, en ayant raté des choses, qu'en n'ayant pas essayé des choses que j'avais envie de faire. Ça me paraît mieux. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve, et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Et en plus, il est évident qu'il faut réussir pour travailler, puisque... Et là, quand je le dis, je fais pour réussir ce rêve. Or, ce rêve était, à ce moment-là, même pas de chanter, pas du tout. C'était de projeter mon rêve à l'extérieur, qui est un phénomène de compensation. En termes cliniques, ça a des mots beaucoup plus effroyables que ça. Et, enfin, prenons l'expression de Duhamel et d'autres gens qui ont dit bien avant ça, Ibsen en parlait aussi, on essaie, finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent à ce moment-là, dans l'instant. Il a le talent à ce moment-là pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Eh bien, je crois que vous connaissez à peu près tout de moi, maintenant. De toute façon, l'endroit où je me raconte le mieux, si vous voulez, c'est dans mes chansons. Et n'allez surtout pas croire, d'après mes chansons, que je sois un saint et encore moins un prophète. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre espérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu. Ce grand malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler. Accessible étoile.